Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. On le ferme derrière. Prenez place. Vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Pas comme vous. Ça va aller, monsieur. Mademoiselle, j'espère que vous êtes conscient du prix à payer pour rester dans cette entreprise. Pardon? Que je dois vous payer? Je vais être direct avec vous. C'est par rapport à l'incident qu'il y a eu avec ma femme. Ah, ça! Mais non, monsieur. Heureusement que j'étais là. J'ai tout géré, donc à présent, vous devez me remercier. Et j'accepte tout. Je pense que c'est déjà fait. Comment ça? Quand? Je veux dire où? Mademoiselle, vous avez toujours votre boulot. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Ceci est mon entreprise. Donc, les prochaines fois, tâchez de vous mêler de ce qui vous regarde. Vous pouvez disposer. Mademoiselle, essayez de vous mettre un peu plus au travail. Tu es jalouse. Tu penses vraiment que je peux être jalouse d'elle? S'il te plaît, Sophie. Je ne tolérerai aucune insulte de ta part. J'ai quand même le droit de partager ma table avec qui je veux. Sauf que Mira n'est pas le genre avec qui on souhaiterait être amie. Tu as déjà oublié qu'elle nous a menacés? Mais c'est du passé. En plus, je lui ai présenté mes excuses. Des excuses? Attends que je te raconte son dernier show. Arrête, Sophie. Encore toi et le Congo, ça? Si ça peut te calmer, elle m'a rassuré qu'elle ne sortait pas avec le boss. Ce sont des rumeurs que tu as lancées. Et cette fois-ci, je ne vais pas participer à ça. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas participer à ça.